tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Emerald. Bah écoutez, pour l'épisode suivant, je crois que la dernière fois qu'on a joué, on s'était fait défoncer, je crois. Ou je me trompe, je sais pas du tout, mais en tout cas, je sais que la dernière fois, on s'était fait défoncer. Enfin, je ne sais pas quel Pokémon. Oh, mais quel con. Voilà, par le vieux là, je crois. Ou non, non, c'est pas lui. Donc, ici, on n'a pas pu. Oui, voilà, je me rappelle maintenant. C'était par le champion d'arène. Le champion d'arène, il nous avait vraiment bien défoncé comme il faut. Donc, on va essayer de d'y retourner et de faire un peu attention quand même. Parce que. Je sais pas, c'était quel Pokémon, c'était Rakayu. Ah ben Rakayu s'est lâché. Hein. Alors hop, on va passer par ici, hop, on va aller voir là-bas. On va juste soigner un peu nos Pokémon. Essayer aussi de prendre des potions. Parce que oui, hein, je me suis fait limite latter. Par contre, les potions sont super chères, merde. Allez! Attends, c'est l'arène de qui là en fait? Arène Pokémon de champion d'arène Roxanne. Ok, ok, très bien. Bon, si je me rappelle bien, lui on l'a défoncé. Ouais. Eux je les ai défoncés, je crois. Ouais, très bien, nickel. Ici, chaud quoi. Parce qu'elle nous a défoncé, même. C'est quoi? On va faire un truc. Hop. En fait, c'est une gamine qui est devenue champion d'arène quoi. C'est quoi? Je vais commencer par, par Poussifeu. Oh putain. Ah putain! Merde! Bon, Abra, je suis désolé. Mais, oh! Je m'attendais à un Onyx ou un truc badass quoi, mais Pokémon de merde. Un bon tombroche là. Allez, on va te balancer Mediana. Tombroche. Attendez, je sais, j'ai compris ce qu'on va faire. Mais non, si j'attaque pas, il va faire la même chose, Tom Brush. Oh le bâtard! Ah non, on prend pas de risque. Hop, potion. Inch'Allah, il va... Il est mort. Elle est morte, elle est morte. Putain, ils peuvent pas... Oh putain. Oh putain. C'est mon dernier potion. Yep là! Dans ta gueule. Dans ta gueule. Comment on l'a défoncé, frère? Ça doit m'avoir battu, la connasse. Donc, va te faire foutre. Allez, balance le badge et casse-toi. Tom Rush. Putain, première règne a été aussi difficile que ça. Oh là là. Ah, je t'en prie. Le mec, ils sont barrés avec, avec leur truc. Donc, hop, on a gagné la reine. Très bien. C'était vraiment très difficile, hein, vous allez me le dire. Oui.
Oui, parce que c'était vraiment très chaud. En plus, j'ai même pas regardé le. Ah si, c'était level 15, leur Pokémon. Enfin, c'est Pokémon à elle. Oh, c'est toi! Tu es ce super dresseur qui m'a aidé au bois, Clément. Aide-moi, la team Aqua m'a volé. Il faut que je récupère le Poké. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Sinon, je vais devoir de graver. Ah quoi? Je vais avoir des graves problèmes. Ok. Très bien. Écoute, nous, on est là pour t'aider. Mais Abra, tu sers à rien. Je te jure que c'est vrai. Pourquoi j'ai choisi ça? Il va nous mettre une petite marchouille là. Allez, ciao. On n'a pas le time. Oh, que vois-je? Enfin, que vais-je faire? Ok. On se baladait, Pico et moi, quand une grosse brute nous a sauté dessus. Ce vaurien a filé avec mon cher Pico. Ok, Pico. Très bien. En fait, le gars, je comprends pas du tout. Il a la possibilité de voler d'autres Pokémon. Il a. Eh ben, n'importe quoi, le pauvre truc, il a rien fait, tu sais. Alors, tu me suis? Bah oui, je te suis, t'as cru quoi? Tu veux te battre, mon gars? Tu veux te battre? Ce Pokémon pris en otage ne me sert à rien. Et quand je pense que je suis en fuite pour ce tunnel qui mène nulle part. Et toi? Alors, tu veux te battre contre moi? Bah oui, je suis là pour ça, quoi. Team Aqua, Team Aquali. Attention, hein. Ok. Donc hop, on change de Pokémon, on va faire mieux même, on va prendre Midia. On va faire morsure. Et un bon morsure là dans ta tête, morsure. 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 Et là, Abra passe level 12. Non, pas du tout. Ok, très bien. C'est vrai. C'est vraiment pas juste. Le chef n'avait dit que ce serait simple comme bonjour. Tout ce que j'avais à faire, c'était de voler un paquet de nanas. Si tu le veux, vraiment, t'as qu'à le prendre. J'en ai pas besoin. Ouh, tu es sain et sauf, quelle joie. Ah, te vois, Pico te doit la vie. Ok. Il n'allait pas mourir. On m'appelle M. Marco. Et toi, comment t'appelles-tu? Bah écoute. Alors, tu es Itzlif. Ok, en fait, le mec, il a fait 3000 petits points. Et il a. Oh, tu t'appelles comme ça. Ok, d'accord, très bien. Désormais, s'il y a quoi que ce soit, quelque chose à utiliser, voilà, m'appelle. Ok, tu peux te trouver dans ma maison. Voilà. Ok, très bien. Allez, viens, quand on rentre. Ok, très bien. Maintenant, on se barre. Mais ce abras de truc là. Très bien. J'aimerais bien capturer ce Pokémon, mais en fait, je me demande si ça serait vraiment cool. Tu as réussi, tu l'as récupéré, tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais, pour te remercier, je te donne une autre superbe. Ok, très bien. J'ai quelque chose à te demander, viens avec moi, je t'en prie. Ok. C'est le deuxième étage du siège de. Du bureau, si tu te trouves. Ah, je saurais directement combien de fois qu'on est. En fait, là, le pack que tu nous as ramené, je peux te demander de le livrer au chantier naval de Prouvoisselle. Ça serait désastreux si ces voleurs tentaient de reprendre. Alors, je peux compter sur toi. Oh, c'est vrai. Je peux attendre ici un instant. Ok. Notre directeur aimerait te dire un mot. Si tu veux bien me suivre. Ouais, je sais. Votre directeur, c'est le père de Pierre. Oui. Vas-y, je t'en prie. Je suis M. Richard, le directeur à Annie. Rochard, ok. On vient de me parler de toi. Tu as sauvé notre équipe pas deux fois. Ok. Une lettre. Alors, j'aimerais que tu la prennes. Ça. Et je reçois un Pokénav. Cet appareil, c'est un navigateur Pokémon pour faire plus. C'est un outil indispensable pour la quête de tout dresseur. Très bien. Il y a une carte de la région de Hoenn
Tu pourras facilement voir où se situe Miyakora et ok. À propos, j'ai entendu dire que des criminels magma aqua causeraient des problèmes un peu partout. Je crois que tu ferais mieux de te reposer avant de reprendre la route. Très bien. Ouais, ça fait super plaisir. Allez, je me casse, hein. Merci pour l'aider, je sais pas quoi, j'en sais rien. En plus, je sais même pas ce que je dois faire. Mais allez, c'est pas grave. J'ai développé et au jeu ajouté une fonction de la Pokénav. Ok. Et ça marche du tonnerre. Est-ce que je peux voir le Pokénav t'as donné? Et voilà, It. J'ai ajouté la fonction Matchphone à ton Pokénav. En utilisant cette fonction, tu peux chatter avec les personnes qui sont enregistrées dans ton Pokénav. Notre président doit déjà y être enregistré. Et c'est le pouvoir pour appeler. Je dois l'appeler, wesh. C'est même pas ça en plus. Tu veux pas me lâcher là? Oh, je suis content de voir que le Pokéna fonctionne. D'autres personnes y seront enregistrées, alors tu auras plein de gens à parler. Ça a l'air de te faire plaisir. Comment je sais ça? Mais je te vois de la fenêtre de mon bureau, pardi. Ha, à bientôt. Très bien. Je te vois de la fenêtre de mon fenêtre, pardi. Bonne continuation. Merci, très bien. Alors, je crois qu'on doit aller voir le papy. Avec son oiseau, là. Oh! Oh, salut, It! Ton Pokénav est équipé de la fonction Match. Enregistrez-nous pour pouvoir nous parler n'importe quand. Très bien. Vous savez quoi? On va faire les bâtards, tu sais. Voilà, je vous dis, on va l'appeler juste après. Attends. En fait, j'ai croisé un nain au bois de Clément. Je pensais qu'il rentrait chez lui, donc sa petite maison près de. Comment ça, ton Pokénav? La mienne est plutôt pas mal. Ok, on dirait que t'as un petit combat. Ok, bah écoute, tu es très toi. Hein. Pourquoi tu fais la maligne comme ça? Charthor? Pas mal. Pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Ok, on va vous balancer. Gobou! Allez, on va balancer. Oh putain! Mon Dieu! D'où elle attaque? What? Mais Flora, t'as fait quoi à tes cheveux? C'est le gars qui attend le perdu. Ah, au fait, Marco, que je viens de croiser, tu viens juste d'emménager ici alors que tu ne le sais pas peut-être, mais Marco était un marin très très réputé. Je m'en fous. Mais un point, putain. Plus t'as défoncé tous mes Pokémon, donc va te faire foutre, espèce de Flora de merde. Ado, téma ce qu'on va faire. Pour faire chier Flora. Pokénav. Matchphone. On va appeler Flora. Bonjour It. Marco a pris sa retraite de marin, mais le temps étant là, je le vois en mer avec un. Ah, la mer, c'était plus qu'un travail pour lui, c'était une vraie passion. Ah, ok, en fait, j'ai compris. Le soi-disant Marco, en fait, c'est le vieux papé là avec le. Mais attendez, mais on a coupe en fait. Ouais, on a coupe. Ah, mais non, j'ai pas envie de le donner à Poussif. Tu mérites mieux, mon gars. Donc, on va chercher un Pokémon de merdasse et on va se le fou, on va lui donner. Pourquoi j'ai pas attrapé un Zigzagoon? Il peut apprendre coupe, lui? Tu veux que c'est un type plan? Non, je peux pas. Enfin, c'est pas question, je peux pas, il peut pas, donc hop. Bon, on va aller voir Marco, hein, on verra pour le machin plus tard. Graine, très bien.
Oh mon petit, le temps que Annie il frappait Manoui. Très bien. Oh yeah, nous sommes arrivés à Marnyang truc. Ok, très bien. Non, c'est bon avec les arènes là. Tiens, en plus je croyais qu'il n'y en avait pas quoi. Bon, il n'y a personne qui a quelque chose pour moi. Tu as franchi la mer pour venir ici. Tu es peut-être ici parce que tu as entendu parler de la bassin hein, qui est super cool. Tout le monde l'adore. Ok, je ne connais pas. Mais regarde-moi cette merveille. C'est un mouchoir. C'est la voilà. Ok. Ok, très bien. Il me l'a donné en fait. Excellent. Y a quelqu'un là qui a quelque chose pour moi. Ah, je pourrais parler pendant des heures de la vie. Une de ces petites îles. Harmonie avec sa famille. Amis. Ok, très bien. Ah, quitter. Ok. Bon, toi. Je suis sûr que t'as un truc pour moi. Cet endroit est... J'ai entendu parler que tu as dit que j'ai apprécié tes paroles. Là, je te donne... Ok, très bien. Je te jure que je vais me capturer un Magikarp. Allez, on perd pas de temps. Hop. Un Magikarp pour avoir un putain de Léviator, mon gars. Allez, on va utiliser Ken. Tu veux sortir? Attends. Il est parti, quoi? Il est fou, lui. Pourquoi il se barre comme ça? Yeah, ah non! Ah non! Putain, je suis aussi pourri que ça. Attends, attends. Ah! Oh, man. Il est nul! Putain, je suis le pêcheur le plus pourri que j'ai jamais vu, quoi. Allez là! Ouais! Qu'est-ce que c'est? Magikarp? Yes! Non mais c'est une fille, j'en veux pas. Non mais excuse-moi, Léviator il fait garçon. Hein. Il fait un bon mal badass sa mère. Allez hop, on va lancer une deuxième fois pour voir ce que ça va donner. Ah! Ça mort! Oh non, mon connard! Non, ah là là, c'est pas possible ça. Ah, oh. Pam 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 pam. Hop là là. J'ai chopé. Magica. C'est dégueulasse ton truc là. Attends, on va tricher un peu. Rien, ok. Pourquoi il se barre aussi vite aussi l'autre là? Ah oh, péché, péché, je me demande comment ces gars-là ils font pour être aussi patients, bordel de merde là. Oh là là! C'est pas moi qui est nul, hein. C'est le jeu qui est nul. C'est l'excuse. On est déjà à 18 minutes alors qu'on n'a rien pêché, les gars. C'est grave. Enfin, si, mais... hein, excuse-moi, mais même avec le truc de... avance rapide, il n'y a rien qui change, quoi. Là, s'il te plaît. Yes, mon papy. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on a? Ah, Magikarp. Oh, femelle. Mais j'en veux pas ton Magikarp femelle là, bordel de merde, tu te le fous dans le fion si tu veux. C'est un coucou morphé ça. Ah oh là là, mais ils m'énervent là avec leur canne à pêche pourrie là. Allez, c'est un Magikarp mâle s'il te plaît. Le tentacule de ta mère, ouais.
En plus, je sais même pas de quel niveau Magikarp il évolue pour passer en Léviator. Mais y a que des Magikarp filles ou quoi là? Ah, voilà mon kaki. Alors, vu que t'es rouge, bah écoute, je vais te balancer un Pokéball. Tu rentres ou je te casse ta gueule? Tu rentres ou je te casse ta gueule? Yeah, papy. Non, on donne pas de nom à Magikarp. Et hop, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Morphée? Allez, viens. Tu sais, le chat, il suit que mes mains. Alors, très bien. Donc, hop. On va se barrer d'ici. Hop, on va les soigner déjà. Même si en vrai, ça va nous servir à rien. Très bien. Alors, toi, je te connais pas. Nanana. Ok, très bien. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais au moins, on l'a fait. Tout le monde. Très bien. Donc, a priori, c'est pas ici. Que font les gens s'ils ont envie d'aller aux toilettes? J'ai fait quoi si j'ai une touche. Là, je suis aux toilettes. Je suis obligé de rester là. Bah, en fait, t'es con, en fait. Hein. Parce que si tu squattes là pendant des heures et des heures pour attendre les poissons, alors que tu sais que ça va pas mordre. Bah, elle va te suicider, mon gars, parce que ça sert à rien de rester là. Hein. T'as meilleur temps d'aller chez Papé. Hein. Oh, ça commence bien. Oh, mais Dia, franchement, excuse-moi si tu meurs, mais c'est pas moi. Hein. C'est à cause du pêcheur de merde, là. Hop, allez, hop, on me fout. Média. Hop, morsure. Changer de Pokémon, on va prendre Magikarp. Yep là. On a un coup dans sa gueule. Magikarp, hop. On va prendre Graine. Mediana, pardon. Hop, ça c'est fait. Très bien. Très bien. Si je me rappelle bien, il y a... Ouais, je le savais. Hop, on va rentrer dedans. Hop, il y a un petit vieux là. Et toi, il faut terriblement sombre là-dedans. Ça va être difficile d'essayer explorer. Ce type qui est passé tout à l'heure, Pierre, je crois que c'était pour ça que j'ai été... Enfin, qui... Il savait utiliser Flash. Alors, si tu n'as pas... dû avoir du problème, mais nous les mains, ok. Et attendez, si je comprends bien, pour pouvoir utiliser Flash, il faut défoncer l'arène. Donc, me demandez pas de aller défoncer l'arène, parce que sinon, ça va être chaud, chaud comme du la braise. Okay, apparemment, il n'y a que toi qui peux utiliser ça, donc puissance. Puissance me permet de... Ok, donc on va enlever celui-là. Parce que puissance, c'est beaucoup mieux. Très bien, on va essayer Flash. Si ça marche pas, ben ça veut dire qu'il faudra. Ok, apparemment on n'a pas le badge.
Du coup, bah, on va aller défoncer l'arène. Jarako! Abdou! Il y a des abras dans ce grotte. Bah, du coup, le mien, je l'ai capturé trop tôt. Mais on s'en fout, autant que j'en suis. Comme ça, au moins, ça m'a permis de bien le. J'avais oublié que cette arène, c'est l'arène de. Bon, bref, on va s'arrêter là. Et voilà les amis, malheureusement c'est la fin de cet épisode 3. En tout cas, j'espère que ça vous fait vraiment plaisir. Moi, ça me fait vraiment, vraiment très, très plaisir. J'espère vous revoir très, très prochainement. Et on se retrouve juste... On se retrouve peut-être sur la version rouge feuille pour l'épisode 4. Et sur ce, ben, restez comme vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner, à partager cette vidéo sur Twitter, Facebook, où vous voulez. Et sur ce, ben, on se donne rendez-vous sur une vidéo. Prenez soin de vous et peace tout le monde. Ciao!